Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Pokémon. Du coup, on va se diriger vers la prochaine arène, qui est la arène. Jamais su trop c'est quel type là-bas. Je vais mettre Hypnomade en premier, mais je me souviens c'est du type normal, enfin un peu multi-type. Et là les combats ça sert à rien de les prendre parce que je les one shot. Donc utiliser une capacité pour 30 XP, waouh. Alors bonjour, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps, mais bon, bah, du coup, la reine est par là, je crois. Il y a toujours le type ici qui bloque, mais fou. On va commencer par là. On va prendre des dresseurs, je m'en bats les couilles. On va voir ce qu'il propose. Il y a une fleur, vous êtes sérieux? Ah, heureusement que je l'ai mis, je crois, avec Nomade. Du coup, là, ça s'arrange. Psycho. Parce que Vax Psy, elle est à 100% d'efficacité niveau 50. Donc, bon, après, c'est peut-être un coup, ça peut faire mal. En plus, 45. Ça arrange. Un Tauros. Combattant le feu par le feu. Dracolos tranche. Ah, vous êtes sérieux. À ce niveau-là, les célestes, les attaques. Ah là là. Au revoir. Putain, l'XP que ça donne. Aïe, 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 aïe. Dresseur en face. Je le prends. Karaté, l'art martial. Donc, type combat, Hypnomade est bien. Merci de m'entraîner pour avoir Lector. J'essaie une vague psy, voir les dégâts que ça fait. Voyons voir. Ça me fait regretter choc mental, hein. Ça me le fait regretter, hein. Ah là 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 là. Je veux bien l'affronter, lui. Bonjour. Lui, ça sent les Pokémon vol. Je sais pas, mais je le sens. Tu le sens. L'arène de Jadiel était fermée depuis longtemps, mais le champion est enfin venu. Moi je dis ça le sang. Top dresseur. Non, du coup je vais rappeler Pikachu. Pikachu revient. Draco. Oh ça va. Allez, surf. Aïe. Ah, c'est pas efficace encore. Je crois que c'est... bizarre. Il doit être encore de type poison. Bon, du coup, en fait, c'est Hypnomade, il faut le laisser. Oh, mais... un PV, hein. Ah là là. Bon, bah... ah, mais non, mais non, 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 c'est bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. Genre... il a encore double pied. Ouais, c'est bon. Au revoir. Moi, ça m'a XP Draco.
Et level up. Du coup, on va laisser Shazam, la Kazam. Là. Hypnomade. Et hop. Tan 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 tan. Ouais, du coup je retourne au tout début. Je sais pas comment je dois le prendre en fait. Ah, une Pokéball ici. Ok. D'accord. On va chercher un Pokéball, je peux faire tout le tour. Bon, allez, voilà, merci. Même pas. Qu'est-ce qu'il donne ? Qui peut être utile ? On va commencer par lui. Vas-y, montre-moi ton élégance et m'envoyer un Pokémon merdique, je sens. Ok. Alors, Rhinocorn, fait dodo. Et je vais t'envoyer Draco. Voilà, comme ça je prends pas de dégâts sur ça. One shot. Yes. On sent qu'il a pas fait meuter dans cette version. C'est tout. C'est tout. Non, ça va. Ça va, ça va. Ça, oui, héros. Aïe. Bien pratique, hein. Toi, tu vois, on peut faire les échanges tranquilles sans qu'ils prennent de dégâts. Alors, en plus, il perd un tour. Bon, bah, surf. Au revoir. T'as XP aussi, Pneumat, comme ça. Trio Picker. Bon, Draco, c'est bon. Allez. Encore. Mais il perd tout ça sans attaquer, alors qu'il y a un Pokémon du type qui utilise de l'eau. Allez comprendre. Allez comprendre. Voilà, au revoir. Ah non, faut passer par en haut. Bon, se faire, moi je les bats tout. Bon, attends, on va faire rapidement. Voilà. Ça va être du one shot pur et simple. Comme je dis, one shot. Next. Qu'est-ce que tu proposes? Attends, on va faire ça. Ah ouais, je le one shot. Littéralement. Littéralement, je l'ai one shot. Oh putain, vas-y. Faut que je fasse le tour encore. Non, non. Là par contre j'ai plus d'attaque psy. Ça va poser un petit problème. Du coup ce qu'on va faire, on va mettre Nidoking en premier. Non non non. Merci. Lui c'est fait. Maintenant le boss de la Team Rocket. Te voici dans mon repère. Je voulais réformer la Team Rocket ici, mais tu as encore tout fait rater. Je suis furieux et ça sent pas bon pour toi. Une fois de plus tu oses me défier. Moi le grand Giovanni. Mais aujourd'hui tu vas déguster. Pas sûr. Ouais, bah j'ai bien fait de mener Nidoking, hein. Ou pas en fait, hein. Si me fait tunnel, je suis foutu. Hein. Buldo. Aïe. Bon bah au revoir. Hein. Sauf s'il résiste. Il résiste pas. Si j'avais attaqué en premier, oui, mais là, pff, pas du tout. Ah, ça marche pas sur sur lui. Ou il a fait jet de sable avant, je sais plus.
Allez. Au revoir, Trio Picker. Persian. On va envoyer Dracofeu. Merde. Ah, ah. Ça va, il prend cher. Au revoir, Persian. Nidoqueen. Il est où? Il est là. Hypnomade Psycho. Genre un PV. Non, ça va. Je le crains pas. Ah, mais il est paralysé. On va faire vague psy du coup. Merde, j'ai appuyé. Ouais, là on m'oblige un peu à partir sur ça. Il y a Nidoking contre Nidoking. Si l'attaque en premier, c'est perdu. Mais je prends ce risque. Yes! One shot ou pas? Non! Bon, ça va. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. J'ai toujours le petit Draco. Qui va faire un plaisir avec Surf. Il aurait pu m'attaquer et faire perdre plus. Tant pis pour lui. Voilà. Rhino Féroce. Bah, reste Draco. Allez, Surf. Au revoir. Bon, niveau 44. Ah, voilà ce que j'appelle du combat. Tu as gagné et en récompense aussi le badge éther. Nice, j'ai tous les badges. Et des sous. Grâce au badge éther, tous les Pokémon t'obéiront à tes ordres. Il est le témoin de ta grande maîtrise de tes Pokémon. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme c'était? Tu pourrais essayer un secteur avec Pokémon. C'est un cadeau que je te fais, va maintenant et devient plus grand des dresseurs. C'est quoi? Abîme! L'attaque qui me sait qu'il veut. Il y en a 5 et ça doit marcher une fois sur 10. Oui! C'est très bien! Ça me servira à rien, je vais aller la vendre. Ah là là. Du coup, là, on peut aller direction. Comment ça s'appelle? La Ligue! Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien voir Sulfur avant. Elector, pardon. Bah oui, Elector, il suffira avant de faire la ligue, c'est sûr. Juste pour le Pokédex. Hein. Par contre, Mew, faudra m'expliquer comment on fait pour l'avoir. Ça, je sais pas du tout comment on va pouvoir. Je sais que c'est dû à un bug, mais... Ah, faut que je mette la clé. Mais je sais plus du tout comment. Alors, hop. Hop. On va stocker. Non, pas retirer. Merci. La Pokéflûte qui sert plus à rien. La bicyclette que je vais jamais utiliser. Enfin, plus jamais, plutôt. Et la clé secrète. Et on va pouvoir... Est-ce que je vois le lance-soleil? Mais normalement, le lance-soleil... Ouais, non. Pff. Je vais plus utiliser Air Bizarre, donc ça sert à rien. Plutôt vendre, pardon. On va vendre une corde de sortie. J'ai tunnel, donc ça me va, moi. 7 CT. Et 7 CT. Et on va partir direction... Donc au feu. Ah merde, on peut pas voler entre les deux. Fuck. Fuck, faut que je reprenne l'air bizarre. Bon, on va faire ça, de toute façon. Juste faire ça.
Du coup, on va remplacer Arbizard à la place de... Quel Pokémon se ferait violer là-dedans? Je crois que c'est Dracaufeu qui va se faire violer, donc. Alors, on va juste stocker, du coup, Dracaufeu. Je te récupère après. Et on va récupérer... Il est où? C'est pas dans cette boîte. Comme ça, j'aurais juste à aller dans le... Comment ça s'appelle? Là, il y a qui? Nidoking. Non, ça, c'est stocké, pardon. Voilà. C'est comme ça, quand on ira à l'autre centre Pokémon, j'aurai juste à récupérer Dracaufeu. C'est pas extrêmement grave. Bonjour. Oui, il y a Coupe là en bas, je vais le faire. Non, moi, j'ai affronté tous les dresseurs là-bas, donc c'est pas extrêmement gênant. Un petit Voltorb. Ils nous ont fait une Pokéball pour représenter Voltorb là-dessus. Ah là là. Alors du coup, tac. Je vais regarder si pour la ligue on a besoin d'avoir coupe. Si on n'a pas besoin, Fleurizard, je le laisse de côté. Voilà, on est là. Je pense pas qu'en bas on ait besoin de coupe. J'ai juste récupéré Dragonfeu. Alors du coup, on va stocker Fleurizard. On va les récupérer. Il va falloir relâcher comme un con. Il faut que je remette la prochaine boîte aussi. Retirer. Par contre, on fait qu'il doit être tout en bas. J'ai fait évoluer en Voctaliz, comme vous voyez. Et on va partir sur la... Celle-là, voilà. Du coup, ça c'est fait. On va se retrouver devant et on se laissera là pour cet épisode. Comme ça sera la hype pour Elector. Ou pas. Ou pas. Alors, je sais même plus qui j'ai mis en premier, mais c'est pas. Ni mini ni Nidoking. Ouais, quoi que Nidoking, vu que c'est des Pokémon électriques, oui. Alors, quel Pokémon y a-t-il ici? Ouais, bon, il y a la Terre, j'ai pas envie d'affronter des Pokémon, donc. Mais il y a un dresseur! Tu veux voir ma collection? Ouais. Ça se trouve, il a deux Pokémon. Deux Pokémon, comme j'ai dit. Visite entre Sinistre ou Bulldo? On va économiser. Au revoir. Excellent. Ouais, on peut garder. On peut garder, je peux faire Frappe Atlas. Ah, raté. Mais c'est ça que Frappata se fait pas plus de dégâts que ça. Genre. Ok. Du coup, on se retrouve, voilà, devant. Du coup, on va se laisser pour cet épisode. Si vous avez aimé... Merde. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, pouce rouge, un commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Pokémon. Et d'ici là, portez-vous bien.